qu'on peut pratiquer, mais enfin, bon, on peut pratiquer la boxe, surtout qu'il y a quand même des boxes qui demandent quand même une petite pratique. Alors oui, les boxes pour bébés, on les connaît, c'est souvent des boxes de naissance qui accompagnent notre enfant. Il y a de plus en plus de boxes pour enfants, justement pour les un peu plus grands. Tiny Lou avait commencé à le faire avec Tiny Lou Kids. Tiny Lou, c'est vraiment la boxe pour bébés qui suivait... Juste les boxes, pardon, c'est on s'abonne et on va recevoir régulièrement des coffrets. Alors en fait, voilà, majoritairement, le principe, c'est exactement celui-ci, c'est une offre d'abonnement, alors qu'on peut évidemment résilier à tout moment. En moyenne, ces box sont à une trentaine d'euros par mois. Il y a des box qui vont être semestrielles, bimestrielles, trimestrielles, un peu comme les magazines. Et puis, selon les envies, les appétences de votre enfant, vous allez opter pour l'une ou l'autre. Et ça peut être aussi une box à l'unité qu'on va acheter parce que le thème nous plaît. Voilà. Mmh. Il n'y a pas toujours un effet de surprise dans la box. Il peut y avoir, mais on peut aussi en choisir une parce que, tiens, ce mois-ci, ça m'intéresse. Donc, Tiny Lou, je le disais, on la connaît, elle est très bien. Elle suit la femme enceinte, elle suit le bébé, elle suit l'enfant. Et il y a énormément de box plus ciblées, parce que là, on est sur des box plus généralistes avec un petit magazine, un petit jouet. Il y a des box plus ciblées que j'avais envie de mettre en avant ce matin. Celle-ci, c'est Virtuosi Kids. Alors là, vous allez adorer. Oui, c'est la mascotte. C'est la mascotte. Alors, Virtuosi Kids, qu'est-ce que c'est? C'est une box qui permet d'accompagner l'éveil. Oui, Benjamin, vous allez accompagner l'éveil musical de nos enfants. Alors, ah oui, ça fait voilà. Alors, comme là, c'est la première box, c'est la mascotte. Non, oui. C'est pas insupportable. Non. Attendez, je retrouve son petit nom, c'est Wakey Benito. Alors, il va vous accompagner chaque mois en tant que parent sympathique. Vous allez mener un atelier d'éveil musical. Donc, dans la box, vous allez trouver un instrument et pas de la camelote. Oh non, pas là, de la camelote. Qualité, là. Voilà, un vrai instrument, des fiches qui vont vous permettre de faire un atelier, le guide évidemment qui va bien avec pour le mener à bien, et puis après des petits goodies, un coloriage, pas du tout. Moi, alors vous êtes nul en jeu, moi je suis pas très bonne en musique. Ok. Ouais. On parle de jeu, justement, une box pour vous, Benjamin, la box Ludum, ma box favorite du moment. Vous savez qu'on est de grands joueurs chez les Pères Arnaud. On joue beaucoup. Donc la box Marmot de chez Ludum, elle vous propose de recevoir une fois tous les trois mois une sélection de jeux validés, validés, survalidés. Donc là, par exemple, cette première box qui arrivait en octobre chez moi comportait trois jeux. Un autre jeu qu'on doit fabriquer soi-même, pardon. Donc vous allez voir, vous allez avoir des jeux de marques que vous connaissez, comme ABBA, et puis des marques un peu plus confidentielles. J'aime vraiment bien cette box. Ma fille adore ce jeu, Gold. Gold. Je joue même en classe pour le coup. Non, c'est très sympa parce qu'on est sûr d'avoir des jeux de société de qualité sur le site. On peut en trouver, en acheter à l'unité. Mais là, on a vraiment une sélection qui est faite par des experts du jeu. Et c'est toujours, toujours très bien. Je trouve que c'est de bonnes idées cadeaux. Il y a des gens qui font des beaux métiers. Je suis expert de jeux. Oui, toute la journée, ils jouent. Et ils font bien. À mon avis, c'est bien fatigant. Ensuite, une box culinaire. Benjamin, je sais que vous aimez cuisiner. C'est Ookies. Ookies, voilà, vous en avez marre des gâteaux, yaourts, des vieux cookies. Eh bien, avec Ookies. Oui. Vous pouvez faire, en fait c'est une box de pâtisserie à destination des parents et des enfants. Donc ce qui est très pratique, c'est que vous avez tous les ingrédients et tout est bio. Oh, déjà ça, c'est pesé. Bien. Alors, ils sont pas très doués. Bah voilà. Et puis alors surtout, c'est vrai que si on veut cuisiner avec des tout petits, et puis que, alors c'est sympa de peser la farine. Hein. Je sais, ça fait travailler les maths. Oui, ça en met partout. Ça en met partout. Donc là, c'est quand même assez cool d'avoir sa petite box à faire en famille. En tout cas pour se lancer, pas forcément la peine d'en avoir tout le temps, mais pour se lancer, on a tous les ingrédients, tout le matos. On a les petites décos. Regardez-moi ça. Là, par exemple, c'est pour faire des cakes dinosaures. Et surtout, on a la recette en pas à pas. Avec les images, donc ça c'est super parce qu'on peut le faire avec les enfants et on peut la retrouver également sur YouTube. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Je vais m'y coller ce week-end. Ça, c'est sûr que c'est génial. Non, c'est vraiment super. Une box que j'aime beaucoup aussi, c'est la box Cube. Vous connaissez Cube? Pas du tout. Pas du tout. Ce sont des abonnements de box de livres pour adultes au départ. Et ils se sont lancés justement dans les box de livres pour enfants. Donc celle-ci, c'est une box Je m'amuse avec les mots. Et elle a été évidemment conçue, voilà, avec du bouquin. Des beaux bouquins à la maison. On reçoit des jolis livres. Et c'est toujours une sélection. Alors, soit on en reçoit un par mois, soit on achète là aussi des box à l'unité. C'est toujours agréable de recevoir une box de bouquins. Disons-le franchement, qu'on soit enfant ou adulte. Une autre box que j'aime bien, c'est le crocodile à vélo. Alors là, c'est une box multi-surprise. Vous allez recevoir tous les mois plusieurs choses. Un jeu pour votre enfant. Regardez-moi ça, schlac. Alors, évidemment, c'est peut-être un puzzle. Hein. Un petit puzzle, voilà, hein, qui est planqué. Bon, il y a plein de choses, vous pourrez ouvrir. Ouais, et surtout, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a un petit cadeau aussi pour les mamans. Donc, il y a un produit cosmétique, il y a un habit pour un bébé, il y a un jeu d'éveil, il y a une petite chose que nous aimons beaucoup par ici, un savon. Voilà, donc, le crocodile à vélo, c'est une box très sympa et toujours très, très quali, bio, évidemment. Ah, c'est du bois. Valide, c'est du bois. On valide. Ensuite, dernière box que je
sais que vous allez adorer, Benjamin. Laquelle? C'est la box. Regardez devant vous. Vous allez. Oh, il était une joie à la vie. Hello Maestro. Alors, c'est une box qui a été faite en collaboration avec Upaya. Et vous qui adorez Hello Maestro, il était une fois à la vie, etc. Cette box a été faite. Donc, il y a deux jeux, des petits quiz, une box au secours Maestro sur les gestes qui sautent. Et puis, le DVD découverte, il était une fois. Ça, on adore. Ah ouais. Voilà, plutôt à partir de 6-7 ans, celle-ci. Mais elle est vraiment super géniale. On peut le montrer avant 6-7 ans, ça, non? Pour expliquer. Ah, peut-être les petits cuits sont un peu compliqués. D'accord. Bon, alors, d'accord, la vidéo, on peut la regarder. Ouais, le Cro-Magnon, Marie Curie. C'est génial. Alors, nous, ça nous parle parce qu'en plus, c'est notre enfance. Ouais. Donc, voilà. Cro-Magnon, c'est votre enfance. Oui, Cro-Magnon, c'est mon enfance. Merci, Benjamin. Merci, Marie, c'était super.